Bon là on essaie de faire un truc, c'est pas gagné hein. C'est pas dit que ça marche. Vous savez, il y a une petite sortie que je fais, je pose ma béquille et je fais genre un saut de mouton par-dessus. Sauf qu'on voulait le faire avec cette moto. Si on n'a pas réfléchi, on s'est dit vas-y on va le faire et tout. Sauf qu'en fait, la moto, la bulle elle est beaucoup trop. Ça passe. Je pense que ça passe, mais psychologiquement je pense que ça passe pas. T'es obligé de me péter la gueule. C'est beaucoup trop. Ouais mais tu vois j'ai pris de l'élan. Ouais ça fait peur hein. Ah, je peux pas regarder. Je le sens pas du tout Charlotte. C'est vrai. Pourquoi on a laissé serrer trop encore Charlotte? Là je veux dire y a pas de clignotant, y a rien, on aurait pu les retirer depuis le temps. Peut-être parce qu'on roule sur la route avec. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo avec la petite ZX6R. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va plutôt, tu vois. Quand tu te retrouves là avec une petite bécane, un petit spot, franchement, on va pas se plaindre. On a grave chaud. Donc, pour rappel, à la moto, elle est full stock. Elle a une petite déco. Elle a une petite couronne. Stock, hormis petite couronne. Et par là, viens voir Charlotte. C'est une couronne de 54 dents. Donc 54 dents, ça permet d'avoir plus de couple, mais c'est pas non plus une couronne de stunt, vous allez voir, ça fait pas non plus des drifts si serrés, ça fait pas des circles si serrés, mais c'est pas mal, c'est bien pour faire de la route et s'amuser. En revanche sur la route c'est un peu chiant, on va dire qu'à 90-100 la moto déjà elle gueule et c'est désagréable de rouler vite, tu te rappelles? On a ramené le petit chat la dernière fois, c'était bruit, ouais. À 84, même il est 80. Sourd maintenant. Ouais, je pense que le chat, bah, il est mort maintenant. On va se mettre en jambes tranquillement, on va faire un petit tour du spot. C'est obligé de me péter la gueule, c'est beaucoup trop. Ça passe, moi je dis. Charlotte a dit ça passe. Ça passe là, mais parce imagine... que quand tu fais saut de mouton, on voit bien que tu passes grave haut. Le imagine problème, tu raccroches. C'est que si ça passe pas, je raccroche vraiment. En fait, le truc, c'est en plus pour que ça passe bien, faut vraiment avoir de la vitesse et que la moto, tu vois, le bloque et comme ça, poum, ça te fait vraiment sauter tranquille. Si j'essaye à l'arrêt, c'est beaucoup plus dur à l'arrêt. Si je m'entraîne là, c'est même pas représentatif. Je peux ne pas y arriver à l'arrêt, alors qu'en roulant, ça pourrait être très facile. Tu vois essaye ce que à l'arrêt quand même. Mais à l'arrêt, mais c'est impossible. C'est à l'arrêt. Impossible à l'arrêt, ouais. Je vais tout casser un peu si je raccroche, tu vois, c'est ça que je me dis. C'est pas tu vas tout casser, c'est que tu vas te casser toi, tu vas raccrocher. Je préfère me casser moi, je crois. Non mais il faut se lancer de ouf. À l'arrêt, c'est impossible. Bah je suis pas comme en tu plus, le sens. En plus, si j'y arrive, c'est beau gosse, hein. Ouais. Allez, faut pas qu'elle tombe de l'autre côté la moto, ça veut dire faut quand même que je sois concentrée parce qu'elle va tomber sur sa béquille. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ah oui, c'est vrai. Sinon, je suis deg. Et la béquille, elle est du même côté que l'autre moto? Charlotte avec ses petites questions. Oui. J'ai jamais vu une moto avec la béquille à droite. Ah. J'ai le stress d'essayer vraiment là. Mes jambes, je pense pas qu'elles vont rester bloquées. Même parce qu'il peut rester bloqué en vrai. Tu sais ça. Ce que tu fais, tu lèves bien, fais un beau grand écart. En plus, ça va, tu vois, j'ai genre un slim. Donc déjà, c'est pas un baggy ou un truc qui pourrait raccrocher. Mais déjà, il faudrait que je m'étire. Ouais. Dans mon écart. Tu peux pas essayer un saut de mouton là sur quelque chose? Sur toi? Ah ouais, vas-y. Faut que tu te mettes à la hauteur de la moto. Vas-y. Vas-y, mets-toi un mouton. Attends, là, t'es beaucoup plus basse que la moto là. C'est vrai? Comment ça? Ouais. Ça fait peur. Vas-y. Ouais mais tu vois j'ai pris de l'élan et tout. Ouais, faut que j'ai des couilles, attends, elle a pas de cage et tout en plus. Par contre si j'y arrive c'est stylé parce que ça veut dire genre vraiment les motos d'origine et tout, je peux le faire. J'aurais pu retirer les rétros mais je pense que ça va pas gêner en fait. Je pense que c'est vraiment la hauteur de la bulle. Bah il dépasse un peu hein. Ouais si ça pourrait m'emmerder non. Tu peux les retirer ou pas? Ouais. En vrai je préfère raccrocher les rétros que raccrocher la bulle, là je l'arrache. Et tu vois avec ma souplesse un beau saut de mouton ça va être quoi? T'es souple. T'imagines la grenouille qui saute par dessus? Eh bah fais grenouille, fais souplesse grenouille. Ça fait peur hein? Ouais. T'as peur? J'arrivais pas du tout vite. Plus j'ai de vitesse, plus c'est facile en vrai. Parce qu'admettons j'ai de la vitesse, mais je me rate, je vais raccrocher et je vais piétiner. Bon, ça peut. Tu vas pas piétiner, tu vas. Si tu raccroches, tu vas passer la tête en premier. Mais dis pas ça. C'est trop vite. Nope. Tu vas pas assez vite là. Je vais pas assez vite. Mais si je vais trop vite, je vais me rétamer comme une grosse merde. Tu veux pas regarder. Je le sens pas du tout, Charlotte. C'est vrai. Je le sens pas du tout. C'est vrai? C'est horrible. C'est simple, faudrait que je pousse de toutes mes forces sur mes pieds aussi. Comment tu fais sur l'auto? Ça passe tout seul. Bah, y a rien devant, donc t'as juste à sauter. Allez, vas-y. Nope. Bah, elle bloque pas non plus, pareil. Ah, mais c'est parce que je freine pas non plus. Ok. Je saute pas, je freine pas. Nope.
Elle s'est foutue de ma gueule. Putain. Ça se voit que c'est trop chaud quand t'es assis sur la moto. Allez, c'est loin, non? C'est juste là, t'as un gros bloc devant et ça perturbe. Oui, mais ça, tu le touches pas quand tu sautes. Ben, normalement, non. Tu vas un peu râper ça, peut-être, du coup. Non. Tu as cru? Ouais. J'ai peur, le fais pas si tu le sens pas, si tu te fais un coup du lapin en retombant. Non, mais je vais pas me faire un coup du lapin, j'aimerais t'aimer comme une merde, ce serait trop drôle en vrai. Ouais, ça ferait un fail Instagram qui va marcher si je le rate. Ouais. Non. Je le sens pas du tout, c'est horrible. C'est vrai? Je te jure, c'est horrible. J'ai l'impression que je vais faire un jump to fen. Tu te rappelles le blocage du jump to fen? Ouais. C'est pareil, c'est horrible. Tu sais même pas comment tu peux t'entraîner à ça parce que faut que tu le fasses pour t'entraîner. C'est horrible. Quand tu passes, je ferme les yeux, j'ose pas regarder ce que je suis, mais je pense à ça. Comment elle dit ça? Non. Tu mets quel côté? C'est-à-dire quand t'arrives, qu'est-ce que tu fais? Mets-toi à la tâche, c'est pas vite que tu viens à la moto au cas où elle bascule là. Tu la pousses sur sa béquille en fait. Tu la pousses? Mais en vrai, je suis sûre, là, je passais, là. Ouais, tu passais. Attends, tiens ma moto à l'arrière, je vais essayer de la maintenir genre droite. Non, mais c'est haut quand même, hein. Ça passe pas du tout, en fait. Tu crois que ça passe pas? Mes jambes vont complètement se prendre là, en fait. Tu crois? Ouais. Et il faudrait mettre un matelas devant. Tu sais ce qu'on fait? Moi, je me mets devant pour te rattraper. Comme tu te casses la gueule, je te rattrape. Ouais. Vas-y. Mais je vais te sauter dessus, je vais te faire trop mal. Mais non. Allez. Oh. Imagine, je saute, je t'écrase le pied. Avec quoi? Avec mon pied. Avec ton pied? Ouais. Oh. Je vais te faire mal. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, ça débloque ça. On peut pas le retirer, ça? Si. Fais comme si t'allais le faire. Mais c'est impossible, là. T'y arriverais, toi? Avec de l'élan, ça passe, en vrai. Ça passe peut-être, attends. Faut vraiment avoir de l'élan. Ouais, ça fait peur, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Je viens de me claquer. Ah, ça fait mal. On va faire la première étape, c'est-à-dire on va démonter ça et je vais déjà sauter sans le truc. Bon, déjà on y voit plus clair là. Ah, c'est trop bizarre. Oh, elle est moche d'un coup là. Ah ouais, elle est horrible. Elle est horrible. Ça paraît plus simple. Je vais faire comme si c'était ma moto de stunt là. J'allais pas vite et j'ai eu peur, mais je me suis dit, je le fais quand même. J'ai raccroché, hein. T'as raccroché, ouais. Mon cul, il a raccroché grave. Donc là, la bulle, elle sera comme ça. Là, on va juste poser la bulle. Donc là, si ça va pas, ça fait un crack. Voilà, elle va juste se retirer. Sachant qu'elle est déjà cassée, tu vois, je vais pas la gaspiller. Tu vas pas la casser, là, tu vas juste la... Elle va juste tomber. Ça tient quand tu vas rouler, au moins? Ça tient pas trop, non. Pourquoi Voilà, là, elle tient un petit peu, là. Vas-y. Ouais, mais là, d'un coup, c'est plus la même. Vas-y, mais là, tu t'en fous, là, c'est pas accroché. Dans ma tête là, j'arrachais tout. Je sais pas comment j'ai fait pour rien toucher. Je le sentais pas du tout, mais vraiment pas du tout, les gars. Yeah. C'est bien, vas-y. Ça fait tellement peur. Elle a même pas bougé. Non. Si tu le fais avec celle-là, tu peux le faire avec toutes les motos, du coup. Franchement, ouais, parce que là, la bulle, elle est vraiment haute. Hein. Attends, je le refais. Vas-y. Trop bien. Et en vrai, j'arrive tellement vite pour être sûr de passer que j'arrive plus à m'arrêter. Tu vois, c'est pas genre en stunt, j'arrive comme une gymnaste, tu sais, comme ça. Voilà, je vais avoir du mal là. Et maintenant, refais avec les rétros. J'avoue, faut réussir avec les rétros. Ouais. Sinon, ça compte pas. Par contre, là, tout est bien vissé, j'ai pas intérêt à les raccrocher. La béquille, je la sors longtemps avant, c'est le premier truc que je fais. Et le frein, c'est au moment où je saute, comme ça, ça me... Mais faut que tu penses à pousser la moto d'un côté. Bah, ça, je sais pas, ça se fait naturellement. Ah. Merde. Bon, bah, je pourrais plus jamais redémonter les rétros. A little later. Oh,
Ouais, je vais mettre des noix de cajou, s'il vous plaît. Et pour la saison. Et créole. Ouais, créole, quoi. Tu vois. On va pas faire assaisonnement espagnol ou asiatique. Mange au calme. Nous l'a fait. Mimi, elle attend sa pitance, elle a faim. Si tu m'as pris la mienne, va. Bah. Non, j'ai des champignons. Le petit quotidien de la Réunion. Les petits chiens errants. C'est mon cœur. C'est mon chéri. C'est mon chéri. C'est bien, Mimi. Il mange délicatement. Hein. Regardez-moi cet homme fort. Viens, ma femme. Montre-moi tes gros muscles. Allez, fais pas ta timide. Après, je vais encore faire complexer mes abonnés masculins. Oh. Je te montre les miens. Vas-y. C'est bien, ma dingue. T'es forte. Je sais. Oh, le café d'arrache. Des gamines, en fait. Une vraie gamine. Moi, pas de gaufre. Petit café. Tu veux que je te reçois, Maddy ? Bah, doucement. Oh, bah, t'en en alors. Elle m'a défoncé. N'oubliez pas de faire des câlins aux arbres. C'est grâce... Je veux faire un câlin à l'arbre. C'est grâce à eux qu'on respire. De bon oxygène qui fait. C'est bien, Madé. Les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec nous. Je bloque des fois, ça m'arrive. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. On vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye. Ah bah non, bye. Non, tu mets pas le bye parce que c'est le plan moto.